Omar Zombré de la Télévision nationale du Burkina. Moi, j'aimerais savoir si le Nigeria a signé et si ce n'est pas fait, compte tenu du fait que ce pays a pris une part active dans les négociations. Est-ce que ça ne plombe pas déjà cette union de libre-échange continental? Et également, est-ce que cette zone de libre-échange continental ne va pas paupériser davantage les pays qui ont un faible taux d'industrialisation, compte tenu du fait qu'il y a une ouverture et les pays qui sont beaucoup plus industrialisés vont pouvoir facilement vendre leurs produits à ceux qui ne le sont pas? Clearly, Nigeria is a very big part of the bigger market. We have created under the CFTA. So everyone wants Nigeria as part of the continental free trade area and the African bigger market. But as I mentioned earlier in the statements I made, some countries may have some internal issues to address going forward. Not that they don't want to be part of the CFTA, but there are certain steps that to be completed country to country. People may want to understand or do things in certain ways or through certain procedures. And as you may be aware, Nigeria has in fact issued a statement generally supportive of the efforts to create the CFTA. Not only that, they have been participants in the process and at some stages leaders in the process. So I think it's a question of time, it's a question of how fast they address some of the things they feel they should address before they make a full pronouncement as to what position they ultimately want vis-a-vis this historic event we have witnessed today. So I think it is so much in order to say let's respect their view, their position. I know they are with the rest of Africa, and soon they may be at the same level with the rest of us today who have signed. Par rapport à cette question, il faut retenir que l'intégration en Afrique se fera par le haut et par le bas. Elle se fera au niveau des dirigeants, au niveau des responsables politiques, mais elle se fera aussi au niveau des citoyens. Ce que moi j'ai noté depuis 2 ans que j'ai cette responsabilité de conduire les négociations, c'est la forte volonté au niveau des dirigeants d'aller rapidement vers l'intégration. Mais il n'est pas dit que dans certains pays, les citoyens soient prêts. Et c'est pour cela que nous avons prévu une campagne de sensibilisation à tous les niveaux pour que les citoyens s'approprient le projet de zone de libre-échange continental. Et pour le cas particulier du Nigeria, moi j'ai noté une très forte volonté des dirigeants du Nigeria à aller vers l'intégration africaine. Maintenant, il y a peut-être une phase d'explication, de sensibilisation à opérer. Cette phase sera faite. Et j'espère qu'à l'issue de cette campagne de sensibilisation, la situation peut évoluer dans ce pays qui est la première puissance économique du continent. Maintenant, vous avez parlé aussi des pays qui peuvent être laissés pour compte, des pays qui sont un peu industrialisés et qui seront un peu les parents pauvres de l'intégration. Je ne le pense pas. Je pense que chaque pays africain a des avantages comparatifs. Et l'intégration permettra à chaque pays africain d'exploiter les avantages comparatifs
dont il dispose. Il y a des pays qui ont une vocation minière, il y a des pays qui ont une vocation agricole, il y a d'autres pays qui ont d'autres vocations, et chacun de ces pays-là verra sa vocation mise en œuvre, mise à profit, dans le cadre non seulement de l'intérêt de son peuple, mais dans le cadre de l'intérêt de l'ensemble du continent. Merci. J'ajouterais que c'est un processus graduel. Il est possible et même peut-être très probable qu'à courte échéance, il se pourrait que certains pays à économie faible, enclavés, sans littoral, puissent connaître un certain nombre de diminutions de recettes peut-être dans l'immédiat. Mais le plus important, c'est la dimension du marché qui est en train de s'ouvrir. Et comme l'a si bien dit le président Champion, chaque pays a des spécificités et il a également des avantages. Et vous savez que l'un des principes à l'Union africaine, c'est celui de la solidarité. Il est prévu des mécanismes pour se soutenir mutuellement pour que la machine puisse avancer de façon harmonieuse. Mais dans l'absolu, et ça je crois que les statistiques le prouvent, les projections le prouvent, tout le monde est gagnant, in fine.